Nu se lapă de la fons, de la fons. Mășă... Mășă o vedea ta la bancă moneată. Mășă de la fără și italien. Mășă o tornată... Nu poate ceau. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous allons venir procéder au lancement du projet de lutte contre la vulnérabilité des enfants au Sénégal. Madame la ministre, voilà ce que je vais vous donner à l'heure pour la première fois que vous. Donc, merci d'être parmi nous. Et donc de vouloir bien lancer ce projet aujourd'hui, le programme s'est appelé comme suit. Nous allons d'abord procéder aux allocutions. D'abord, c'est le code international du CEDV, du représentant de la Banque mondiale, du directeur de la coopération italienne et le grand artiste de petit va nous faire une prestation, un beau texte sur l'enfance. Et enfin, Madame la ministre de la Cour de l'enfance et de l'enfance va fermer la marche. Et après, nous allons aux présentations des différentes communications. Donc, sans plus tarder, pour son allocution, Monsieur le coordinateur. Ministre de la Petite Enfance et de l'Enfance. Monsieur le directeur de la coopération italienne, chers invités, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui la CISV a l'honneur de vous recevoir à cette cérémonie de lancement du projet de lutte contre la vulnérabilité des enfants et des jeunes au Sénégal, projet nommé Ciao Sénégal, qui est le résultat d'un long parcours de travail dans le domaine de la protection de l'enfant, fait par la CISV et par les autres ONG du ONG. La CISV est une ONG italienne née en 61, à Turin, en Italie, et qui fête dans quelques jours, le 3 décembre, ses 50 ans d'activité. Nous intervenons aujourd'hui en Afrique, notamment au Burundi, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Niger et en Guinée-Conakry, mais également en Amérique latine, au Venezuela, au Guatemala, en Colombie et au Brésil. Au Sénégal, la CISV intervient depuis 1988, notamment dans les régions de Douga, de Saint-Louis, de Dakar et de Fatigue. Notre travail se caractérise par des actions basées sur le développement local, la formation, l'appui technique et le renforcement des organisations bénéficiaires, notamment les obligations de base de la société civile. Avec cette approche, nous intervenons dans les secteurs agricoles et zootechniques, dans la microfinance, le tourisme responsable et solidaire, l'appui aux organisations des migrants et le secteur de l'enfance dans la protection de l'enfance et des jeunes. Pour cela, le secteur enfance et la CISV vise à renforcer les partenaires de base qui lutte contre l'exploitation des enfants. Ces partenaires sont accompagnés pour mieux jouer le rôle qu'ils se sont assignés. Mesdames et Messieurs, les CHAO, c'est une contribution à la réduction de la vulnérabilité des enfants et des jeunes à risque au Sénégal. Comme je viens de le dire, il est axé autour des trois axes majeurs. La prévention, avec des plans de communication qui sont élaborés avec les partenaires et les campagnes de sensibilisation qui sont réalisées. La protection, donc le deuxième axe, avec lesquelles des actions directes sont initiées avec l'appui des structures partenaires, notamment les centres polyvalents, les écoles et les centres d'écoute. Et enfin, le troisième axe, c'est les retraites d'insertion, avec la promotion de la formation professionnelle, un instrument qui facilite l'entrée dans le monde du travail,
notamment pour les enfants et les jeunes exclus par le système scolaire formel. Dans ce cadre, il faut remarquer que la CNSB, comme les autres ONG italiennes membres du consortium Trade Union, est engagée depuis 2002 dans les projets de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants, financés par la population italienne, l'État du Sénégal et l'UNICEF. Dans ces projets, la CNSB et les autres ONG jouent un rôle d'appui conseil aux organisations de la société civile dans différentes zones du Sénégal. Le projet CHAO, qui a duré 24 mois, vient renforcer et approfondir ce travail, dont il est le fruit et la continuation, avec une intervention qui couvre les régions de Douala, Saint-Louis, Liège, Pati et Kafrine, grâce à l'implication du réseau des ONG italiennes pour l'enfant. Le réseau appelé Tranges, à construction proposée par la CIV et le TFIL, ACRA, CPS et COMI. Madame la ministre, je voudrais ici souligner notre grande satisfaction pour cette dynamique qui a commencé en 2002 et qui a mené cet entreprise à élaborer un projet commun, à partager l'expertise et à se mettre au service d'objectifs ambitieux. À travers la collaboration que ces ONG italiennes, et je le dis avec une grande satisfaction, ont démontré et démontrent chaque jour en travaillant ensemble. Mais nous ne pouvons pas oublier, dans ce contexte, les rôles fondamentaux joués pendant toutes ces années par la population italienne, qui a été un véritable canalisateur pour les ONG et qui accompagne et renforce nos capacités en créant un système de partage de compétences, chose pour nous fondamentale. Le projet CHAO n'aurait pas eu lieu sans ce travail de la coopération italienne et sa volonté d'appuyer les ONG et leur réseau. En même temps, je tiens à souligner l'appui technique constant de la Banque mondiale. Il faut en effet reconnaître que grâce à la Banque mondiale, les ONG italiennes se sont ouvertes aujourd'hui à des nouvelles approches de travail. Enfin, tout cela ne peut pas prospérer si l'engagement politique du gouvernement du Sénégal ne le favorise pas. En effet, le Sénégal, à travers sa politique nationale de protection sociale, a tracé les voies de la mise en charge des groupes plus vulnérables. Le projet CHAO, qui est financé par un trust fund de la Banque de la République italienne et qui bénéficie de l'appui technique de la Banque mondiale, et avant tout, une opportunité pour tous les acteurs, pour les ONG et ses partenaires qui travaillent dans la protection des enfants. Nous nous engageons en tant qu'ONG, CISV, ACRA, COMI et CPS, à n'épargner aucun effort pour la réussite de ce projet. Et au-delà de ça, pour le renforcement des dispositifs de protection des enfants qui sont déjà mis en place par l'État, les collectivités locales et les autres partenaires techniques et financiers. Améliorer les conditions de vie et les perspectives pour les enfants reste un défi majeur. La CNSB et les partenaires du projet CHAO sont prêts à donner leur contribution et à participer à cet effort commun. Pour terminer, je voudrais remercier encore une fois les collègues des ONG italiennes et leurs partenaires dans les différentes zones d'intervention du projet CHAO. Et enfin, je tiens à adresser mes remerciements à la Banque mondiale pour l'appui de la mise en œuvre du projet, à la coopération italienne pour la mise à disposition du fonds et son rôle d'accompagnement des ONG, à Madame la ministre d'État de la Petite Enfance et de l'Enfance, qui avec sa présence témoigne un engagement fort et un partage d'objectifs à côté des acteurs tels que la CISV et les ONG italiennes. Enfin, pour terminer, à l'équipe CHAO, je souhaite un plein succès sur le terrain et une efficace collaboration avec vos partenaires respectifs. Je vous remercie pour votre énorme attention. Le projet CHAO a pour public Bolo Akhaï. Ensemble, protégeons les enfants. Et de prime abord, vous en avez fait un sacerdoce. Depuis que le président de la République vous a confié cette parole à ce proverbe qui dit « Gonne du Gonne 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 »
Bout de l'eau, on n'y a rien. Beaucoup de football, beaucoup de choses. Vous êtes des pionniers, 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 vous êtes des pionniers. Malheureusement, c'est ça que nous sommes le vôtre. Vous rassurez pleinement. Et le projet Tchao est venu à bon nom. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à monsieur le représentant de la Banque mondiale. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Projet public contre la vulnérabilité des enfants au Sénégal, qui est un projet financé, une mise en œuvre assistée, une mise en œuvre technique assistée par la Banque mondiale. Rappelons effectivement que ce projet est d'un coût total de 1 500 000 dollars. Pour objectif la réduction de la vulnérabilité des enfants et des jeunes à risque, au Sénégal notamment, par la prévention, la protection et l'inclusion des enfants talibés, la lutte contre les pires formes de travail des enfants et des jeunes, les enfants à risque ou victimes de la mendicité forcée, les filles à risque d'exploitation prématurée, travaillant comme femme de ménage. Nous sommes tous d'accord que la place de l'enfant est bien sûr à l'école et non dans la rue ou travaillant comme femme de ménage à cet âge-là dont nous nous référons. Combien d'enfants, effectivement, tout le monde sait qui vit ici à Dakar, combien d'enfants parcourent quotidiennement les rues de Dakar et des autres villes, en particulier les capitales régionales, dans des conditions difficiles, à la recherche de ce qu'on peut appeler la pitance quotidienne, exigée parfois par les maîtres qui les emploient. Combien de jeunes filles quittent leur domicile prématurément, leur foyer et leurs épaules, pour servir de ménagères dans nos cités. Nous avons l'espoir et nous avons le devoir d'agir et d'aider ces enfants. Mais nous devons le faire de manière durable, en prenant en considération la communauté dans laquelle ils vivent pour la recherche des solutions techniques, des solutions durables. Ce projet suscite beaucoup d'espoir en effet. Nous savons cependant que sa mise en œuvre ne sera pas aisée. Compte tenu des changements dans les attitudes qu'il doit induire. Mais nous sommes rassurés d'avoir des acteurs de terrain compétents et motivés qui sont engagés pour sa réussite. C'est le cas du consortium d'ONG italien et avec évidemment l'orientation générale du gouvernement du Sénégal. Nous voudrions enfin, Madame la ministre d'État, vous réaffirmer notre disponibilité à accompagner la mise en œuvre réussie de ce projet. Notre équipe est aussi disponible pour travailler de manière étroite avec la coopération italienne en assurant une synergie entre les différentes activités qui sont mises en œuvre sur le terrain. Sur ce, je vous remercie de votre mémoire de l'attention. Merci, monsieur le représentant. Madame la ministre d'État, mesdames, messieurs, nous disons simplement que le combat que vous menez, que nous menons tous, pour l'éradication de la mendicité des enfants, la pédophilie, la lutte contre la pédophilie, l'inceste, le travail des enfants, sont aujourd'hui des problèmes récurrents que nous devons régler sans plus tarder. Donc, Madame le Sénat, je me réjouis aujourd'hui de rappeler ce que disait un grand poète, qui disait lorsque l'enfant parle d'une cercle de famille a pleuré à grand cri, son regard qui prie, fait prier tous les yeux et les plus tristes feront et les plus touchés peut-être. C'est terrible de souvenir à voir l'enfant malade, innocent et joyeux. Et il termine.
Fadi, Seigneur, présentement, préserve ce que j'ai, frère, parents, et les ennemis même dans ma triomphe de ne jamais voir Seigneur. Passons la parole. À monsieur le directeur. Messieurs les représentants des collectivités locales, chers invités, chers partenaires des collectivités, je suis vraiment particulièrement heureux de pouvoir participer à cette cérémonie pour le lancement du projet Ciao. Une raison qu'après je vais vous expliquer. La protection et la promotion des droits humains a toujours été au cœur des intérêts de l'Italie dans ses efforts de coopération avec le Sénégal et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. En particulier, le projet de lutte contre la vulnérabilité des enfants et jeunes, financé par la coopération italienne par le biais de la Banque mondiale, que je remercie vivement, afin de réaliser des initiatives destinées à l'amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés et victimes des violences, a aussi le but très important d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les enfants vulnérables et sur la thématique toujours plus importante, la protection sociale. Selon les estimations d'un rapport publié par l'Organisation internationale du travail à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, des 115 millions d'enfants dans le monde se trouvent en situation de travail, dont 115 millions impliqués dans des travaux dangereux. Et malheureusement, l'Afrique subsaharienne est parmi les zones les plus touchées par ce fléau. En 2008, le Sénégal a été désigné parmi les pays bénéficiaires du fonds fiduciaire italien à côté du Niger, la Sierra Leone, du Mali et du Libéria. Grâce aux efforts des quatre ONG italiennes que je cite, CISV, ACRA, CEPES et COMI, coordonnées par l'ONG CISV, il a été possible de mettre en place le projet de lutter contre la vulnérabilité des enfants et des jeunes du Sénégal, qui capitalise l'expérience réalisée par tous les partenaires dans le domaine de la protection sociale de l'enfance. Face à ce défi, le Sénégal a sans doute apporté dans les dernières années une attention considérable aux problématiques qui rendent les enfants vulnérables, tout en mettant en œuvre des actions efficaces. En particulier, au niveau national, par l'adaptation de la législation nationale aux conventions internationales en faveur des enfants et, au niveau local, par l'appui à la mise en œuvre d'initiatives de coordination des différents services de l'État et des institutions de la société civile impliquées dans des actions de protection et de mise en charge d'enfants victimes d'exploitation. Madame la ministre d'État, chers invités, l'Italie, dans sa conviction que le bien-être et l'éducation de l'enfant sont conditions indispensables au développement d'une société démocratique et promotrice de croissance économique et sociale, entend réitérer son engagement à appuyer le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre des mesures visant la protection des enfants, afin que ce pays puisse progresser dans sa politique d'éradication du fléau du travail des enfants pour la promotion d'une qualité de vie meilleure pour les générations futures. Je ne saurais terminer sans remercier le ministère de la Petite Enfance et de l'Enfance. Et je vous explique pourquoi je suis vraiment heureux, parce que ce n'est pas la première fois qu'avec Madame la ministre, on se retrouve à travailler ensemble. Depuis que je suis arrivé au Sénégal, j'ai eu plusieurs occasions de pouvoir nous rencontrer pour lancer le projet et à l'occasion des cérémonies pour d'autres projets financés par la coopération italienne. On a évoqué aussi le projet Le Pire Forme de contre-traitement des enfants, aussi le projet Ciao, mais nous avons aussi d'autres projets qui opèrent dans ce même domaine.
Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi que la ministre. Et surtout pour l'organisation de cette importante cérémonie, tout en vous souhaitant un excellent déroulement du projet. Merci pour votre attention. Mais auparavant, nous demandons au propriétaire de la Mercedes 7447 de venir un peu libérer les lieux parce que. Voilà, merci. Donc, monsieur Pelletier. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et merci à toute l'assistance, à vous, messieurs, pour votre initiative, madame la ministre. Et honnêtement, ça me fait. On ne peut pas sauver le monde, mais on peut quand même essayer. C'est un combat qui me tient à cœur depuis des années. Les médias sont souvent beaucoup plus sociopédagogiques. Et si je peux apporter ma brique, ma pierre à l'édifice, je n'hésiterai pas. Et merci aussi voilà, pour votre altruisme. Et comme on dit, ma plein vie est ciel. C'est comme ça. C'est très noble, c'est humble de votre part. Donc, les enfants sont l'avenir, nous le savons tous. Et tout ce que je peux faire pour aider à les éduquer, les nourrir, les instruire, leur donner un avenir, je n'hésiterai pas. Et je ne suis pas le seul, peut-être je suis là aujourd'hui, mais je sais que la musique, l'art en général, que ce soit plastique, le cinéma ou quoi que ce soit, est un bon vecteur de communication. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tant qu'on pourra le faire, on le fera, parce que je suis déjà un cœur. J'ai une vie que je n'aimerais pas la voir dans certaines conditions. Merci. Cette chanson s'appelle Mélis. Ça s'appelle m'aider. M'aider, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est au secours, c'est SOS. Un terme utilisé par les navigateurs parce que vraiment les enfants sont embarqués dans une galère qui est en train de couler. Et ça, c'est partout dans le monde. Et voilà, cette chanson, je la dédicace à tous les enfants du monde, tous les enfants dans la rue, les victimes de pédophilie, les enfants sans-abri, les mendiants. Les enfants qui sont dans les milices, qui font la guerre par la force, les enfants qu'on achète, parce que ça existe tout cela. Quand nous sommes chez nous, en famille, on mange bien, on dort bien, nos enfants, ils ont le câble, tout ça, mais ce n'est pas le cas des autres. Mais les enfants, voilà, on a tous été des enfants, quoi. Donc, il faut avoir une pensée pour eux. Merci. Mais, cette chanson est un cri du cœur pour tous ces enfants de la rue, partout dans le monde, et qui ont si peur. Tendons-leur la main, car ils ont faim. Mayday. 10 ans, 1000, 100, des millions dans les rues. Combien d'enfants survivants dans ce monde perdu? Combien sont-ils n'ayant jamais vu leurs parents? Combien de temps nous faudra-t-il pour les recenser un par un? Dans la jungle, tels des guerriers égarés, sans toi ni choix, survivants séparés de notre société, rejetés, isolés, ignorés, détestés, faut le reconnaître, désolé. Certains sont mendiants, d'autres sont dépendants de personnes sans scrupules qui vont de ces côtés des rincons. Pourquoi n'est-ce pas facile de les aider à s'en sortir? Car ils sont égoïstes et ça gêne pas les faire souffrir. En faisant un geste, c'est pas la peste. Leur vie sont misérables et les grands temps de l'on s'y intéresse. En faisant un geste, rien qu'un petit geste. En plus sont menacés, ils ressentent la peur et le stress. Pour les enfants dans les rues, c'est du qu'il y en a du tout, leur vie durant, on vit que triste, triste, c'est du qu'il y en a.
jamais su ce qu'est une école ou même un hôpital et ils ont péri à cause d'une variole. Mais tu t'en fous des grosses attroites, vivre dans le bonheur. Pour manger tellement pas besoin de se lever de bonheur. Moi je suis sûr que nos enfants ne savent pas la vérité, car s'ils savaient au moins, ils essaieraient de les aider. L'enfance et l'innocence, même s'ils n'ont pas les mêmes chances. Disons-leur ce qui se passe dans ce monde en décadence. Sauver une vie ça ne coûte pas cher, la vie n'a pas de prix. Sauver une vie c'est comme sur terre offrir le paradis. Ils ont besoin de nous, agissons tant qu'on peut. Activons la machine, donnons ce qu'il y a de mieux. Un petit geste, beaucoup d'amour. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on soit ma pétition, ta signature, faut la poser. Là, si tu es partant, bien sûr, sûr. Et j'en suis presque sûr, sûr. Même si la vie est dure, deux, on reste des êtres purs. Et bon, ne serait-ce qu'une fois de l'un de nos désirs. Tenons la main à ses enfants, ça leur fera plaisir. Tout ce qu'ils demandent, c'est de ne pas se sentir oublié. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'un franchir les sourds pour oublier. Il faut au moins une chance de réussir dans la vie, d'échapper à la violence et son. Monsieur Amadou Baye, artiste, cher collaborateur.